L'exposition Beaujais Press est une exposition qui s'intéresse à la maison d'édition indépendante éponyme, qui a été montée en fait par deux artistes mexicains en 1971, qui avaient en fait comme ça fondé une communauté de duplicateurs, imprimeurs et artisans, comme ils s'appelaient, comme ils se définissaient eux-mêmes, au milieu de la campagne anglaise, au fin fond du Devon, avec des amis, des artistes. Ils ont imprimé le travail de poètes visuels, d'artistes néo-dadaïstes et d'artistes plus ou moins affiliés à la mouvance Fluxus de 72 à 76. La particularité de cette communauté, c'est qu'effectivement, elle avait un noyau familial en son centre et après, ils invitaient en fait des artistes à venir les rejoindre et imprimer des livres d'artistes, parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit principalement. La définition du livre d'artiste étant quand même assez ouverte dans leur cas. Ils produisaient tout maison, donc ils gardaient en fait toutes les phases de la production sous le même toit, donc de la conception éditoriale jusqu'à la distribution des livres en passant par l'impression. Et leur autre particularité, c'est qu'ils étaient extrêmement connectés à toute une scène d'artistes internationalement, puisqu'ils distribuaient en fait leurs publications par le biais du réseau postal. Et ils étaient en contact avec des artistes aussi bien au Japon, en Islande, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, mais aussi en Amérique du Nord, et évidemment en Amérique latine, puisqu'ils avaient tout un cercle comme ça d'intellectuels et d'artistes latino-américains, chiliens, mexicains, et ainsi de suite, qui participaient en fait à la presse de manière tout en étant pas sur place. Soit les gens venaient à la presse travailler et imprimer avec eux, soit ils envoyaient des contributions de l'étranger. Et c'est notamment en fait le cas d'un magazine qui s'appelle Schmock, qu'ils ont imprimé entre 72 et 78, dont ils ont édité en fait 8 numéros, et qui fonctionnait sur le principe de l'assembling. Donc en fait, les contributeurs envoyaient des choses et tout était finalement réinterprété par la presse et par Philippe Ehrenberg, Terry Wright, les gens qui la faisaient vivre en fait au quotidien. Tout ça a été assemblé dans un magazine. En fait, c'est ça qui est beau avec Beaujais Press, c'est que tout se mélange. La vie, le travail, la politique, mais aussi dans la question de l'imprimé, c'est des choses personnelles, des choses de l'ordre de l'intime et aussi des choses de l'ordre du travail. Enfin, tout est comme ça, très mélangé. C'est une sorte de vertige comme ça de choses dont il est impossible finalement de sortir l'une sans toucher à l'autre. Et en fait, l'exposition, elle reflète ça. Citer un livre en particulier, en fait, qui est le livre par le biais duquel j'ai découvert l'existence de Beaujais Press. C'est un livre qui s'appelle Arguments, qui est un livre de l'artiste mexicain Ulysses Carrion. C'est le premier livre en fait qu'il imprime. Il l'imprime à la presse sur une presse typographique qui se trouve être dans l'exposition aussi, que j'ai réussi à trouver pour la montrer. Et c'est un livre qui n'est composé que de prénoms. Et en fait, c'est la manière dont les prénoms sont mis en page et assemblés dans le livre qui vont faire se dégager une sorte de signification. C'est évidemment un livre qui est très lié à tout ce qui se faisait à l'époque en termes de poésie concrète. L'exposition, hein, qui est donc un parcours imprimé, elle est aussi jalonnée d'œuvres, de sculptures d'un artiste français qui s'appelle Xavier Antin. Ces sculptures sont assez ambiguës, elles sont comme des machines en fait, hein, dont la course aurait été stoppée dans le temps, ou dont la course en fait aurait été arrêtée. Elles font référence à des gestes ou des opérations de duplication ou de reproduction d'images. Elle fonctionne en fait comme l'exposition, c'est-à-dire qu'elle
elles permettent de parler de tout ce fantasme qu'il y a autour de la question de l'atelier de production, du workshop, où des choses se créent. Et elles permettent, et elles sont comme les livres sont eux-mêmes stoppés dans leur course, où leur circulation est arrêtée le temps d'un moment, ces sculptures opèrent de la même manière. C'est-à-dire qu'elles permettent de faire pause, en fait, de prendre du recul pour pouvoir un peu ausculter ce qu'a pu être en fait l'histoire d'un atelier d'édition, d'un atelier de production. Elles permettent de quelque part mettre en abîme toute l'histoire de Beaujesse Presse.